Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Anthem, la campagne solo. On avait bien avancé la dernière, on avait accompli une certaine bonne mission. Oh là là. Ah là là, c'est vraiment impressionnant en tout cas comme jeu, moi j'aime beaucoup. Allez, on va continuer. Allez, si le jeu veut bien. Au niveau des temps de chargement, on sait que c'est toujours long. Alors, mince. Alors, je suis désolé, il y a un petit problème. Redémarrage du jeu. Bien sûr, il faut ça en plein live. Allez, on est reparti. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop affronté de gros monstres en tout cas. Ben, j'espère que ça va bien, pas tarder à arriver. Voilà, faire des gros raids, des gros donjons. Assez impressionnant en tout cas. Après, comme on est en solo, on tombe avec beaucoup d'inconnus pendant les missions. Ce qui est pas plus mal des fois. Enfin, ça implique qu'on doit mutuellement se faire confiance. Mais bon, c'est pas trop grave encore. Alors. J'espère que ça va pas mettre trop de temps parce que franchement, attendre tous ces temps de chargement, c'est long à force. Franchement. Ok, c'est bon. C'est bon, on y est. Donc, alors, on va parler. Owen m'a expliqué ce qui s'est passé. Il y a un problème là-dehors. Une sorte de soldat d'élite du Dominion. Ces hommes l'appellent l'Observateur. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Et il cherchait une relique des Démiurges. Il a tout retourné. Votre agent n'a pas bronché. Jusqu'au bout, elle est restée. Enfin, je sais. Je suis désolée. Elle a laissé cette archive. Mes agents vont analyser ça. Alors le Dominion est vraiment de retour. Et en force. Normal! Je croyais que les espions étaient imperturbables. Nous savons aussi respecter l'ennemi. La vie sous le joug du Dominion. Depuis quand un espion, ça respecte la vie des ennemis? Et s'ils se sont mis en tête de prendre Fort Arcis? Oui, ce fort, c'est pas mon cadre de vie idéal, mais c'est chez moi. Et chez moi, je veux pas de dictateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, patientez. Je veux avoir plus d'informations avant d'agir. En attendant, j'aimerais vous présenter quelqu'un. La sentinelle Bryn. C'est quelqu'un d'intelligent et de fiable. Qui aurait Coucou. Bien besoin de vos services. Aidez-la pendant que je m'occupe du Dominion. Je vous recontacterai. Ça marche? Sentinelle Rissa Bryn, poste de commandement du fort. Sentinelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, mieux vaut ne pas parler ici. Passez à mon bureau au milieu des plantes. Des plantes? Oui, voilà, je vous attends. Quoi? Bon, très bien. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a verrouillé? B de lancement déverrouillé. B de lancement de... Ici Mathias Sumner. Comment ça se passe? Au fait, j'ai fait un peu de rangement dans mon labo. Je peux reprendre mon travail. Si tu veux me parler, tu sais où me trouver. Ok, ça marche. Alors, Alors ici, on a quoi? Parler à l'archiviste Mathias parce que freelancer Yaro, donc ça c'est Ah, l'ami. Tu as écouté attentivement mon récit sur Liberalia, pas vrai? Je l'avais jamais Ah oui. entendu raconter ainsi. Je n'étais plus en service depuis longtemps, cette bataille-là n'était pas la mienne. Mais de bons amis à moi m'ont raconté. J'ai été freelancer pendant de nombreuses années. Ah mais c'est pas vrai! Oh j'en ai marre des... Oh là là, la connexion quoi. Merci à toi qui me rejoins en tout cas sur le live Twitch de Anthem. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de connexion. Excuse-moi pour l'interruption. À toi qui me regarde en tout cas.
Il y a des petits problèmes de connexion, j'en suis désolé, j'espère que ça va pas trop perturber, enfin ça a déjà perturbé déjà pas mal le live, ça fait deux fois d'affilée là, en même pas deux, même pas 5 minutes, ce qui est frustrant. Vous imaginez, bon. Non, ma connexion est bonne, enfin normalement je devrais pas avoir de problème de réseau, enfin je sais pas ce qui se passe. Et j'en suis désolé. Bon, pour rappel, on est au tout début de la campagne, voilà. Bon, j'espère que ça va vous... J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes par la suite. Allez, dépêche-toi de te lancer le jeu. Ok, alors on était parti. Allez. Ah, ma nouvelle amie. Tu l'avais. Mais de bons amis à moi m'ont raconté. J'ai été freelancer pendant de nombreuses années. De s'occuper de ce qui se passe au-delà du mur, des problèmes, aider les civils. C'est juste, mais ça n'est pas tout. Il s'agit d'explorer, de combattre le chaos, de sauver des vies. Tu comprends? Oui. I understand, man. En ce bas monde, c'est énorme. Mais la confiance est perdue en route. Les gens se méfient. Les temps sont durs. Ouais, et il faut enfin, retourner. J'ai un contrat pour toi. Tu vas protéger des arcanistes qui procèdent à des tests sismiques. Des tests sismiques? Oui, ils vérifient si les fondations de Fort Arcis sont assez robustes. Hors de question qu'ils s'effondrent, comme la dernière fois. Comment ça? Eh bien, le problème, c'est que ces tests attirent les animaux. Le genre accro, tu vois? Compris. Parfait. Laisse-moi... Ok, bah on va accepter. On va aller secourir, on va aller protéger les arcanistes. Et ensuite, on reviendra. Alvoté ou Cornex. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Bon. Bon, jusque là ça a l'air de plutôt bien se passer. Utilisez le feu contre vos ennemis pour infliger des dégâts supplémentaires sur la durée et les rendre vulnérables en combat. Ok. Purifié par le feu, il y a que ça devrait de toute façon. Oh là là, allez, c'est parti.
connaissons en, c'est tout. L'indicateur sismique est prêt. Ok ? On démarre. C'est la partie que je déteste. Ça me met toujours sur les nerfs. N'oublie pas que les tests attirent les animaux. Va savoir pourquoi. Protège les arcanistes, c'est bien clair ? J'ai compris. C'est une mission tout à fait simple. Ok, c'est bon. Les tests sont terminés. Ils ont réussi à... Ok, super. Bon. Parfait. Passons. Je vais m'assurer que ces arcanistes rentrent sains et saufs. Prends l'arme. C'est la guerre. C'est parti. Heureusement qu'on est arrivé à temps.
Arrête pour me tirer dessus là. Qui est le petit Seligou qui me... J'ai pas des pailles d'or et des œufs. Trop de scars dans la zone, c'est mauvais signe. Alors, où est-ce qu'il y a encore des scars? Allez hop, on libère les prisonniers. Tu vas bien? Putain, ça sera jamais assez. Je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer. Les organismes n'ont rien, à part quelques écorchures, mais rien de méchant. Dis aux sentinelles de passer les chercher. C'est déjà fait. Bien joué. On a terminé ici. Retrouve la fréquence cerise. Compris. Bon, c'est quoi les organistes? Ça c'est fait. Ouais. Allez hop. Campement localisé. À voir. Les fracas de Reese, un organiste. Je ne vois que des scars. Reese, t'es où? Yeah.
ancienne des arcanistes, Nidriz. Ratsaro, trouvez. Allez hop, on continue. Riz, t'entends? C'est le bruit de la guerre. Oh, sérieusement, d'où je me fais tuer comme ça? J'ai pas vu ma barre de vie. Bon, on va relancer. L'expédition a été terminée, ok, bon bah. Une bonne chose de faite. Grenade améliorée. Ah, améliorée. Les grenades, c'est qui augmente les dégâts de 100%. Oh! Fusil à lunettes. On va retourner à Fort Arcis. Allez, on va retourner par les roues. J'ai pas confiance.
Spencer. Tu t'en es très bien sorti avec tes arcanistes. La population a envie de croire que les freelancers veillent sur elle. Après ce qui s'est passé à Liberalia, la foi a du mal à renaître. Ravi d'avoir rendu service. Comment va la freelancer Reese? Bien. Elle s'est battue comme une furie. Forcément. Elle sait bien que j'aurais été fou de colère s'il avait fallu que j'affiche son liste au mur. Tu penses que ça servira? Oh oui. Si tu souhaites la voir, Reese reprend des forces au bar. T'en fais pas, je garde un œil sur les nouveaux contrats. Ok, super. Nice, c'est cool. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va essayer. Salut freelancer, ça roule le contrat? Eh, hey, comment s'est passé ton dernier contrat? J'ai tout défoncé. Aucun doute là-dessus. Je viens de revenir aussi. Un titan a bien failli m'arracher le bras. C'est pas de tout repos, hein. Hein? Owen est passé. Il voulait s'assurer que tous tes papiers étaient en ordre. Mais pas d'inquiétude. Même un titan ne pourrait m'empêcher d'organiser tout ça. Comment t'as fait pour te retrouver à t'occuper de la paperasse? T'as pas l'air du genre à rester derrière un bureau? Chacun apporte son grain de sel à la famille, pas vrai? Et donc toi, tu t'occupes de la paperasse? Et d'éliminer des scars. C'est bien d'être polyvalent. C'est ça. L'important, c'est qu'on se soutienne. C'est pas comme si on... Les freelancers ont connu des jours meilleurs. Bah, c'est pas non plus la misère. Mais je pourrais faire tellement de choses si on faisait un peu plus de chiffres. On a besoin de freelancers pour avoir des contrats. Pour faire le boulot. Plus l'enclave s'en sort, plus on s'en sort, pas vrai? Bref, j'ai des rapports à faire avant de repartir. Des arpenteurs à sauver, des reliques à neutraliser. Ok, bon. Lui, c'est Monsieur Paperasse, on va l'appeler comme ça. On va aller voir Mathias. Il est dans son labo là. Mon héroïne. Sans toi, j'aurais fini en pâté pour Scar. Foutu Scar. Leur recrudescence d'activité a stoppé mes recherches. Sur quoi tu travailles exactement? Je cherche un ancien texte arcaniste intitulé le Codex Élyséen. Il a été rédigé par les premiers membres de notre ordre et perdu depuis des générations. Certains arcanistes pensent que leurs écrits pourraient nous aider à prédire le comportement des instruments des démurges. Imagine, on pourrait savoir si une relique va créer des tempêtes de feu, ou des scorpions, ou si elle va exploser en un millier de morceaux. On pourrait protéger les gens. Effectivement, toute connaissance qu'on peut acquérir est utile. Tu progresses? Le travail héroïque de mes assistants, puisse-t-il encore chercher des réponses au-delà de cette vie, a mené à une découverte. Or, il existait un moyen bien plus ingénieux de transmettre... des runes invisibles. Invisibles? Invisibles. Et comment je fais pour... J'ai éveillé ta curiosité. Eh bien, il te faudra poursuivre ton aventure pour le savoir. Mes recherches... Nos recherches ont révélé un site qui pourrait répondre à nos questions. Montre-moi. Allez, on va faire ça. Ça a l'air plutôt intéressant. Juste aller dans la forge un coup, voir un peu mes équipements, et ensuite on va partir en expédition. Ah. C'est pas mal ça.
Bon, ça c'est la même chose. Ça, on va le démanteler. Oh, ça c'est bon ça. Une grenade qui fout le feu. Fusil à lunettes, je suis pas trop à l'aise dessus. Excusez-moi. Tempête de grêle, pistolet mitrailleur. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, donc du coup, on va s'arrêter là. On a vu un peu ce qu'on avait. On vous reviendra après, un peu plus tard, en espérant choper du meilleur stuff. On va augmenter un peu la difficulté. Parce que j'imagine que plus on augmente la difficulté, plus on a de chances d'avoir du meilleur stuff, ce qui serait logique. C'est pas ça que je veux faire. Plus de danger, mais une meilleure récompense. Ok, bon, on va mettre en difficile. Voilà. On va XP un peu plus, on va XP un peu plus vite, récupérer du meilleur stuff, donc ce serait plutôt pas mal. Alors c'est marrant parce que je viens de lire un tweet qui vient d'arriver. Si on se fie aux reviews anglaises d'un thème, le jeu est pire que Fallout 76, No Man's Sky et Atlas. Merci d'avoir des visuels partagés avec Ita, Degain, Alphacas et Potechka. Bon bah voilà, apparemment Anthem serait le pire jeu aussi nul que Fallout et tout. Ben pas pour moi en tout cas. Non, ça va. Merci à toi Kim. Et merci d'être avec moi sur le live, ça me fait super plaisir. On est sur Anthem. Allez. C'est ce qu'on va découvrir. C'est parti. N'hésitez pas à vous manifester, en tout cas dans le chat. Wouh! On prend la lune. Ce sera difficile, Denis. Je cherche quoi? Une sorte de marqueur. Quelque chose de reconnaissable pour les autres arcanistes. Quoi?
Allez, hop, j'ai failli crever là dès le début de la mission. On a pratiquement la même colorisation au niveau des armures. Oh, on est en gris, quoi. Exactement. Cet objet des démurges en face du marqueur est lié aux échos. Compris. C'est l'heure d'allumer le feu. Oh, allez, ça fonctionne, mais le marqueur ne se déclenchera pas sans un plus gros différentiel d'énergie. Il faut d'autres échos. Alors, il faut aller chercher quoi là ? Écho récupéré, 1 sur 12, ok. Ce site a été choisi pour nous rendre la tâche difficile. Il suffisait que des arcanistes collaborent avec des freelancers. Évidemment. Comment t'as entendu parler des runes cachées qu'on cherche ? Lorsque je me suis rendu compte de tous les secrets nécessaires dans notre histoire, ça a ouvert de nouvelles perspectives d'études sur les documents que je possédais déjà. Je sais pas maman, mais selon ma théorie, on devra en apprendre plus sur les runes cachées.
Et mercredi. Sur une ancienne vérité. C'est moi où la gâchette est trop sensible, j'ai l'impression.
voir ce que les arcanistes nous ont laissé. Cette signature énergétique est étrange. C'est rude. Qu'est-ce que c'est ? Des écritures secrètes. Une technique perdue et oubliée. Je pense que la clé de mes recherches était juste sous mon nez. Ouais, alors, l'énergie commence à fluctuer. Ça veut dire grouille-toi ? Ouais. Et voilà, c'est bon. Mais je crois savoir comment dénicher d'autres runes similaires. Tu penses que ça va nous aider ? Je t'expliquerai ça à ton retour à Fort Tarsis. Mais d'abord, merci à toi. Ces runes vont nous permettre de trouver le codex élyséen. J'en suis certain. Si c'est tellement c'était aussi simple, je suis sûr que ce serait trop simple. Non, ben c'est bien. On a terminé cette expédition, c'est parti. J'ai été fait. Ah. Nice, niveau 6, niveau 2, niveau de pilote augmenté, emplacement de composants déverrouillés. Ok, super. Ah, je suis plutôt bon, 5749 d'XP. Bon, on va retourner à Fort Tarsis. On va voir ce qu'on a à déverrouiller et ensuite ben on pourra s'arrêter là pour cette session. Ouais, on va aller à la forge et voir ce qu'on a débloqué. Alors, composants. Ah. Niveau 8. Propulseur ventilé. Qui augmente le seuil de surchauffe de 35% par rapport au seuil de base. Ah, c'est bien ça, ça me permet. Régulateur thermique, augmente les dégâts de feu et capacité thermique maximum de 20% par rapport aux valeurs de base de résistance au feu. Ah super, ça me permet de résister, de plus résister au feu. Munition fusil mitrailleur, c'est pas mal ça aussi. Je vais prendre ça, c'est ça. Alors, grenade, j'ai rien de nouveau, et niveau arme, ah, j'ai de nouveaux trucs en arme.
prendre ça. J'ai pas mal, j'ai plein de fusils à lunettes. J'aime pas les fusils à lunettes. Ah, oh, punaise. On n'est pas si mal que ça. Bon, bah on va s'arrêter là, je pense, les gens, pour cette session. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours, bien sûr, dans les commentaires, à liker et à cliquer. Vous laissez vos pouces bleus, voilà, comme ça, là, et pas comme ça, hein. Comme ça, hop, on est d'accord. Pouces bleus, pouces rouges. Moi, je veux des pouces bleus, d'accord. Vous laissez vos commentaires dans la bien sûr, là où ils sont affichés. Bien sûr, vous laissez également vos réactions. Vous partagez si vous avez aimé. Et bien entendu, n'hésitez pas à me retrouver, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, en clic. Bien sûr, vous comprenez toute la chanson, blablabla, réseaux sociaux et tout. Je vous dis à la prochaine, les gens. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.